Thank you.
Qu'il est déjà 21h. Bon, bah allez. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je. C'est plus mon clic. On va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Ou pas. Ou pas, ou pas, ou pas. Si, c'est par là. Qu'est-ce que je fais hein? Ok. Allez, c'est parti. Allons-y. Bonsoir à tous, nous sommes vendredi 31 mai, déjà fin mai, ça passe à une vitesse. 21h, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Au programme de ce soir, pour ceux qui n'avaient pas vu mes tweets en avance, mais vous avez dû voir le titre du live, on va revenir sur les IA génératives. Alors, ça va être majoritairement le texte, je pense, parce que là... Encore que peut-être qu'on se prendra quelques minutes parce que j'ai eu un truc tout à l'heure de la part d'un collègue. Mais bon, oui, notre première expérience avec Azrock et iQuickset a montré un résultat un peu mitigé, on va dire, hein. À pas se mentir. Principalement parce que en fait, j'ai eu l'impression que l'outil n'était pas maintenu, tout simplement. Et entre-temps, j'ai découvert Oliama. Et j'ai découvert surtout qu'Oliama avait une version Windows native maintenant. Et ça, c'est génial parce que la difficulté, notamment quand on est sous Windows, c'est que le WSL2, notamment quand on a une carte AMD, n'expose pas l'intégralité des informes des périphériques dont on aurait besoin pour exploiter la carte graphique à fond, nativement. Et donc une version d'Oliama native Windows, bah c'est bien. Et j'ai eu l'occasion de la tester, évidemment, dépendamment, comme ça. Et très très bien. Et c'est ultra simple à utiliser, c'est un bonheur. Pour l'instant, je l'ai utilisé qu'en ligne de commande. Je vous le montrerai. Et on pourra se pencher. Après, j'ai découvert un deuxième. Du coup, tout à l'heure, j'ai découvert un deuxième outil enfin, pour gérer des modèles de génération graphique, cette fois. On avait eu Stable Diffusion à l'époque, qui n'était pas... Le seul qu'on avait réussi à faire tourner, c'était une ancienne version, et c'était pas foufou. Et on a vu que comme le truc n'était pas à jour, ça bossait sur un... Une version modifiée pour utiliser DirectML, donc les performances sont vraiment mauvaises. On s'était retrouvé avec des limitations, quasiment les mêmes limitations que ce que moi j'avais eu avec ma Radeon 5700 XT, c'est-à-dire une seule image à la fois, avec une définition très limitée, ce qui est quand même un comble pour une carte graphique à 900 euros, avec 20 Go de RAM. Donc autant dire que on attend un peu mieux que ça. Et il y a potentiellement un autre outil, un nouvel outil qu'on va pouvoir tenter de d'exploiter. Et en deuxième partie de live, j'ai envie de discuter d'un sujet sur lequel j'ai envie de creuser un petit peu. Qui est à la fois technique, mais qu'on peut présenter visuellement pour que ce soit intéressant, même pour les gens qui sont moins techniques, mais qui permettront de comprendre un petit peu ce qui se passe dans les arrière-boutiques, notamment de grosses plateformes, pour essayer de garantir qu'elles restent debout, ou quoi qu'il arrive, malgré l'adversité. Et je pense que c'est un sujet qu'on sera obligé de creuser en plusieurs épisodes. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Hop, ça. Première gorgée de la soirée. Ensuite, ça, je fais la place parce que c'est le bordel. Hop, là, j'ai le retour. Pourquoi qu'il est flou? Parce que... Non, pourtant je peux. Pourquoi c'est flou? Ouais, je suis pas. L'image est pas dingue ce soir. Je sais pas ce qu'il y a. Pourtant.
Peut-être que d'habitude. Bref, bref, bref. Donc, Oliama. Oliama. Alors, passons. La vue bureau. Donc, Oliama. Oliama, c'est un utilitaire qui permet de faire tourner une bibliothèque de modèles divers et variés. De modèles de langage divers et variés, plus ou moins spécialisés. Et donc, comme je le disais, maintenant, oui, disponible pour Windows. C'est toujours en preview techniquement. Bon, moi, je l'ai déjà installé, donc. Alors, si. Ah, c'est caché derrière la webcam, vous voyez pas, mais bon, il est installé et il y a une. Comment? J'ai une petite icône Llama qui me permet de voir qu'il est lancé. Si on se met un gestionnaire de tâches, c'est quoi ça? Ça, c'est la Radeon intégrée. J'ai la 3D à 30%, potentiellement parce que je suis à droite et que j'ai l'interface d'OBS de lancer. Là, le GPU 1, le vidéo codec, il est en train de mourir, je sais pas pourquoi. On a du High Priority 3D aussi. Là, on a le compute qui attend que. Bon, on verra tout à l'heure. On va voir la liste des processus. Par nom. Alors, je peux pas zoomer le texte. Donc, on a un petit Oliama qui traîne là. Voilà. Ici. Donc. Il est démarré. Et comment ça se traduit? Bah, ça se traduit que dans un PowerShell. Hop. Vous avez une commande Oliama. Alors je vais zoomer un petit peu évidemment. Et donc on a plusieurs modèles de dispo. Alors je vais fermer parce que ça c'est machin. Et il y a la liste. Donc le plus. Comment? Mis à jour il y a 10 jours. Ah oui, ok, il a été mis à jour. Bon, bah, on va le mettre à jour. Donc vous voyez, c'est aussi simple que ça, hein. Vous tapez une commande, vous le téléchargez. Et après, on tape une commande, on l'exécute et on n'a plus qu'à taper dedans le prompt qu'on veut. Or, pendant. Et typiquement. Alors, je regarde un petit peu ce qui se passe. J'ai mis quoi là-dedans? Non, ça. Ça, c'était un truc qui parlait de la semaine dernière. Ensuite, ça, c'est des conneries que j'ai tenté de faire. Non, ça, c'est des trucs que je prépare pour l'habillage du stream. Ça, c'est une liste de packages qui n'a plus rien à faire là. On s'en fout. Je m'étais enregistré quelque part. Ça c'est pareil, c'est de la. Hop, ça c'est plutôt de texte. Cet extract de. C'était quoi ça? Système check, je me souviens même plus. Du coup, j'avais fait quoi? J'avais fait. Ah oui, alors. Je vais le rejouer, hein, mais techniquement, je continue d'espérer refaire mon API de développement, enfin de base de données de DVD Blu-ray. Et pour. Rigoler et gagner du temps, je me suis dit tiens, on va tester. Et donc j'ai testé, donc c'était avec Llama 3, et je lui ai donné la description. Je lui ai dit voilà, écris-moi un modèle d'API en Python avec FastAPI, parce que voilà, c'est ce que je veux tester, pour gérer une base de données de films DVD Blu-ray, et je dois avoir les fonctions suivantes.
Donc en fait, faut quand même être assez précis, hein. C'est-à-dire que j'ai quand même dire, voilà, je veux pouvoir lire la liste des films, lire les détails d'un film, créer un film, modifier un film, supprimer un film, chercher le titre d'un film. Et un film doit contenir le titre du film, l'année de sortie, le type, DVD ou Blu-ray, et la date d'ajout dans la base. Et la base de données, c'est du Mongo, ce sera du MongoDB. En l'espace de moins de 3 secondes, il m'a répondu en français. Donc c'est bien, ça c'est pas toujours gagné. Voici un exemple de modèle d'API en Python avec FastAPI pour gérer une base de données. Donc là, il m'a créé un code. Je ne l'ai pas testé, je vais être honnête. Hein. J'ai pas pris le temps de le tester. C'est quelque chose qu'on veut. Je ferai potentiellement en live plus tard. Mais on va pouvoir rejouer l'expérience et voir s'il nous sort le même code d'ailleurs. Normalement non, mais ce sera rigolo. Donc il m'a sorti une base de code comme ça, avec une initialisation d'une application FastAPI avec un client MongoDB pour la base de données. Donc évidemment, il y a des choses à adapter. C'est généralement vous prenez le code, il ne marchera pas du premier coup. Mais si vous le testez, modifiez 2-3 trucs et potentiellement vous corrigez quelques éléments et c'est censé pouvoir faire quelque chose. Donc il nous fait, il nous crée, donc ça c'est pédantique où on garantit les types des champs. Donc on a le title en string, le year en int parce qu'on veut juste du chiffre. Le type, ce sera forcément de la chaîne de caractères aussi, et un date time pour la date d'ajout. Parfait. Et donc du coup, après derrière, il nous fait toutes les méthodes avec le get de slash film, le get de slash film avec le film ID. Le film ID, ça doit être un object ID. Ça, c'est les object ID, c'est les ID des documents dans MongoDB. Et donc il gère le truc avec la création des exceptions HTTP pour dire il n'y en a pas. Voilà. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais du coup, il gère le fait de. Voilà. Et on a le post avec la création du film. Donc là, ils s'attendent à avoir un objet film. Et donc on est censé voilà, vérifier le. Par contre là il crée l'object ID directement avant de l'insérer. Et moi de mémoire je me souviens que quand j'avais fait le script de conversion de MySQL vers MongoDB, j'avais laissé MongoDB créer l'ID. Bon, c'est pas grave, hein. Et pour dire que voilà, là il a décidé de le faire de manière directe. Et donc il continue comme ça avec le put film. Donc ça c'est pour le modifier. Ça c'est pour le supprimer. Ça c'est pour rechercher un film. Voilà. Et donc il donne deux, trois petites explications comme ça. Par contre là il parle de NumPy et de FastAPI. Alors FastAPI oui, mais NumPy il s'en sert pas. Et Panda non plus. Donc, vous voyez, il y a quand même toujours à un moment donné, il faut quand même rester un peu. Voilà. Faut rester quand même vigilant sur comment? Sur ce que vous fournit un modèle de langage, parce que ça peut être compliqué. Alors, après, faut se souvenir aussi. Que là c'était Llama 3. Llama 3 est un modèle généraliste. Ce n'est pas un modèle optimisé pour du code. Donc sur un modèle un petit peu plus, on va dire, spécialisé et même plus léger, il y a même moyen d'avoir quelque chose d'intéressant. Voyons, alors, ce que je voulais faire, je voulais mettre. Plus ou moins côte-côte. Alors, regardez un petit peu ce qui se passe au niveau de. Déjà, je vais faire ça à côté. Je vais voir un petit peu parce que ce qui m'intéresse, ça va être là-dessus. Ça va être. Bon, j'ai le vidéo codec 0. Voilà, c'est d'avoir le compute 0 qui.
qui apparaît, et donc on va se mettre à côté la fenêtre. Est-ce que je vais réussir à faire quelque chose de potable? Je peux décaler encore un peu ça. Puis en vrai, ça, on peut le mettre par-dessus, on s'en fout un peu. Voilà. Donc, alors pour la blague, on va s'amuser à reprendre le même texte pour vous montrer la puissance. Donc là, je lui dis lance-moi l'IAMA 3. Donc là, il est en train de le charger. Donc là, on voit qu'on a pris le pic du chargement en mémoire. Donc déjà, ça a été très rapide. On a pris un petit 4 gigas dans la tête. Et on lui colle. Alors par contre, il m'a. Non, il m'a vraiment fait ça. J'ai pas compris. Oh, quel enfer. Je sais ce qui s'est passé. Comme j'ai copié-collé et qu'il met lui-même les 3 points pour le. Comment? Pour l'indentation. Hop. T'es gentil. Alors, on va reprendre ça. En vrai, normalement, j'ai pas besoin d'indentation, en fait. Je l'avais tapé comme ça. Donc, on va reprendre le truc. On va. Hop. Ok. Du coup, il m'a repris le. Voilà, et là, il met l'indentation de lui-même, c'est ce qui s'est passé. Du coup, je ferme. Et là, on va compter. 1. Ok. Oui, d'accord. En fait, j'ai même pas eu le temps de répondre. Par contre, j'ai l'impression qu'il a. Alors, soit il avait déjà le truc en cache ou je sais pas quoi. Non, même pas, parce que c'est pas le même texte en fait. Hein. Et surtout, on voit des trucs avec des return JSON response de content film created successfully. Ouais, j'ai l'impression même que le code il est plus. Bon, il prend pidentique aussi. Il prend FastAPI, pidentique, BSON, import ObjectID. Donc déjà, là, il ouvre. C'est vrai que ça, je l'avais pas dans le code original. Pimongo importe client. Ah oui, donc voilà. Donc typiquement, par exemple, dans ce code-là, vous voyez, l'appel à ObjectID n'aurait pas fonctionné parce qu'il manque ObjectID. Il manque ObjectID. Donc, vous voyez, il y a quand même des choses qui. Ok. Par contre, là. Il n'y a pas le Mongo client. Ah, c'est quand même quelque chose, hein. Donc là, le code n'est pas parfait non plus, parce que là, c'est dans l'autre sens. Où il n'y a pas. C'est dans l'autre sens, on n'a pas le. Comment? On n'a pas la liste, l'import de. Comment? Et du coup, ça nous dit getFilm ID avec le ID, ok, postFilm, putFilm, deleteFilm, getFilmSearch avec le title. Ok. Et donc, ça utilise un modèle de données pidentique, d'accord, une collection MongoDB pour stocker les informations, oui, c'est bon, c'est bien ça. Les routes utilisées bien, fast. Ok, oui. On a bien compris. Bon, ça se répète un petit peu, mais d'accord.
Par contre, là, ça met un truc avec un dollar regex. Ah oui, ça, c'est parce que c'est la collection Find. D'accord, ok. Et donc, il me crée un Find Underscore Collection comme objet pour la base de données. D'accord. Ok. Mais par contre, il a été tellement rapide qu'on n'a même pas vu de... Alors, soit j'ai raté et c'est pas le compute 0, c'est le compute 1 qui a tourné et on s'est fait avoir. Soit on n'a même pas eu le temps de le voir. Pourtant, il me semble qu'Oliama, il utilise bien... Alors, c'est quoi là? Il faut que je prenne quoi? Hop. Il nous dit quoi? Modèle loaded. D'accord. Pourtant, on a bien vu le modèle. Ouais, il l'a bien pris dans la. Il est bien chargé dans la base de. Dans la carte graphique. On voit bien qu'il a pris la 7900 XT. Ça a été tellement rapide qu'on n'a même pas eu le temps de voir de. C'est violent, hein? C'est particulièrement violent comme. comme puissance. Ah, je m'attendais à plus énervé que ça. Ok. Ok. Alors, un autre test que j'ai eu l'occasion de faire avec. Donc, un truc qu'on avait pu voir avec AI Quickset qui s'appelle Liava. Liava, ça vous fait de l'analyse de contenu dans une image. Et en l'occurrence, j'avais testé cette image-là. Voilà. J'ai dit, ok, je vais prendre cette image-là, qui fait partie de mes fonds d'écran. Donc sympathique, hein. Mais assez particulière, avec un chat qui est en train de renifler une pièce d'échec. Voilà. Là, j'ai pas cherché à lui faire parler en français. Parce que je savais que c'était pas, que c'était quasi impossible. Et donc j'ai testé deux variantes. J'ai testé avec une variante de Liava basée sur Llama 3. Et j'ai posé la même question. J'ai posé la même question après avec un Liava Phi 3. 3, c'est une classe de modèle de langage que Microsoft a publié récemment en open source. Un truc qui a été très intéressant aussi sur Phi 3, c'est que Microsoft a publié des informations techniques sur l'entraînement du modèle. C'est-à-dire que ici, par exemple, voilà, entraînement, et donc ils nous disent que leur modèle a 3,8 milliards de paramètres a été entraîné sur 512 GPU. H100 de Nvidia avec chacun 80 Go de RAM. Donc je vous laisse une idée un peu de. Voilà, à savoir que chaque GPU consomme 700 watts. Et ça a duré 7 jours pour entraîner le modèle. C'est-à-dire qu'ils ont fait tourner l'entraînement pendant 7 jours sur l'int pour que ça compile l'intégralité des données qu'ils ont placées. Donc ils donnent. Alors, les tokens, c'est un sous. On parle de texte, et les tokens, c'est un sous-découpage de texte. Je ne sais plus exactement comment ils font le classement. Mais un token, c'est pas forcément un mot, si on veut vraiment réfléchir comme ça. Donc, c'est un peu plus particulier que ça. Mais voilà, donc c'est sur 3,3, alors trillions en anglais. Si nous, c'est trilliards, donc ça doit être des millions de milliards ou des milliards de milliards, je sais plus. On voyait la quantité de trucs grotesques que ça fait, et donc ils ont mis une semaine. Donc ils ont consommé 700 watts pendant une semaine. On avait fait le calcul tout à l'heure avec un collègue, et ça faisait un truc comme 100, 117 kWh ou un truc comme ça. Je sais plus à combien ça correspond en termes de consommation, mais c'est complètement. C'est quand même assez énervé. Il faut se dire, c'est que malgré tout, l'exécution de ces modèles-là sont plus efficaces qu'avant. Donc on consomme toujours autant pour les entraîner, mais par contre s'en servir coûte moins cher en termes de ressources. Bon là, nous on est quand même sur un truc un peu sioux, un peu énervé.
Malgré tout, je sais plus combien. Alors, le premier, paradoxalement, l'IAMA 3, il s'est un peu vautré sur la gueule de l'image, si on revient sur l'image. Je vous la remets. Je vous la remets dans un coin là. Voilà, donc on est quand même sur quelque chose d'assez choupi, hein, comme. Donc on nous dit qu'il y a un chat gris tabby. Ok, pas de problème. Avec des yeux verts, oui. Bon, striking, bon, on n'est pas forcément. Voilà. Capture in a moment of curiosity and play. Alors play, je sais pas. Curiosity, certainement, parce que c'est un chat. On nous dit que le corps est ma partiellement masqué par par un jeu d'échecs. Or non. Hein, pas spécialement. Donc voilà, on est un petit peu lié. Sa tête est clairement des pièces. Oui, jusque-là, ça va. Alors, désolé pour vous, ça a dû être terrible, parce que le téléphone était juste en dessous du micro. Ah. Je vous. Et du coup, donc il nous dit machin. It has been interacting with them. Alors a priori non, les pièces sont toutes en place, il n'y a pas touché, il est juste en train de renifler. Vous voyez, c'est pas. On n'est pas non plus. Bon. La description, honnêtement, je l'ai trouvée assez moyenne. Bon, ça nous dit que c'est placé sur un sol en bois. Donc, vous voyez, il a quand même bien détecté. Alors, est-ce que c'est un sol ou est-ce que c'est une table? On ne sait pas. En tout cas, il a quand même détecté à partir de ça que c'était du bois. Bon, plus la couleur, hein, j'imagine bien. Par contre, ça nous parle de mur rouge. Pour être honnête, il n'y a pas assez de lumière et d'infos pour que le fond soit clairement identifiable, mais il a quand même décidé de nous dire que c'était un mur rouge. Ensuite, ça nous dit que l'image est prise de overhead, donc vue de dessus. Alors que pas du tout. Voilà. Donc bon, c'est pas. On n'est quand même pas foufou. Et j'ai testé donc la même image, le même prompt. Avec la version Phi 3 de l'IAVA. C'est pas encore parfait, mais j'ai trouvé que c'était de meilleurs résultats. Et donc ça nous dit que c'est. Alors c'est marrant parce que ça reprend un petit peu le Curiosity and Play Between a Grey Cat. Oui, globalement, il est quand même gris. Et un jeu d'échecs en bois. Oui, je suis d'accord. Et donc on nous dit machin. Donc là on n'a pas la couleur des yeux, mais les yeux sont grands ouverts. Ok. Il regarde les pièces d'échecs. Oui. Surtout le pif collé sur une. Par contre, il nous dit que sa tête est penchée d'un côté. Non. Non, non, toujours pas. Oui, c'est quand même toujours pas parfait, hein. Mais après, alors il a essayé de compter. Je sais pas pourquoi. Il a essayé de compter les pièces. Et là, on a le droit à un roi, deux reines. Cherchez l'erreur. Rook, c'est les tours, il me semble. Donc deux tours. Alors le fait est que là, nous, ça s'arrête au cavalier, donc on ne peut pas voir la deuxième tour. Donc déjà, je sais même pas comment il voit la première. Les deux cavaliers, cette fois, on les voit bien. Les bishops, c'est les fous. Alors je sais pas où il voit. Alors, il y est le deuxième, hein, mais on le déduit vraiment de pas de beaucoup. Et 6 pions, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors effectivement, là pour le coup, il a bien compté les pions. Il a bien compté les pions, mais alors le reste c'est un petit peu. Voilà, donc après il nous dit, voilà, c'est fait blanc avec classique des cases noires et blanches, toutes bêtes. On nous dit que c'est pris encore d'une vue de dessus. Alors, non, toujours pas. Par contre, là c'est pareil, je ne sais pas comment il a pu croire que le soleil venait de la gauche. Mais par contre, il a détecté que le pattern indiquait que ça passait à travers une fenêtre. Alors on est peut-être plus sur des volets qu'une fenêtre, mais c'est pas juste de la lumière, quoi.
C'est quand même assez. Donc vous voyez, la description elle est un petit peu différente. C'est quand même pas ça, hein. On va pas se mentir. Mais c'est pas complètement débile. C'est pas complètement débile. Voilà. Et pendant les vacances, sur mon vieux laptop, j'avais tenté, du coup, avec Olyama, toujours pareil, mais alors cette fois entièrement sur un CPU de 2015. Autant dire que c'était très très lent, et il fallait être très patient. Je me suis amusé à tenter des résumés. Alors c'est là où c'est très rigolo, c'est que, et où je disais que j'avais des problèmes, c'est qu'il me répondait en anglais, alors que je lui demandais de me résumer du texte en français. Mais le texte était incroyablement bien compris. Là, pour le coup, pour revenir sur du. C'était du Llama, je sais plus si. J'ai dû repasser par Mistral aussi à un moment donné. Je lui ai donné à manger le texte de certains de mes articles de blog, et notamment à l'époque, les réflexions, les premiers épisodes de ma migration sous Linux. Et comment? Et du coup. Donc je crois en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais copié le texte. Parce qu'on ne peut pas leur passer une URL et s'attendre à ce qu'ils lisent le contenu. Et trouve tout seul, la solution et vous fasse le. Mais je lui ai demandé de me résumer ce texte-là. Un des usages les plus fréquents, notamment en entreprise, que j'ai déjà vu en action avec chez des collègues, quand c'est pas de l'écriture de code, c'est du résumé de texte, du résumé de document. Là, dans l'immédiat, en tout cas, juste comme ça, avec juste Olyama. J'ai pas réussi à lui passer directement le contenu d'un fichier. À chaque fois, il me crache que, en tout cas avec Windows, il me crache que la ligne de commande est trop longue, etc. Ça ne fonctionne pas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que voilà, je prends tout le texte. Alors, j'ai pas besoin du titre, donc du coup, je vais prendre juste le contenu avec le. Et donc. Là, on va pouvoir se le faire en direct et on va se remettre le gestionnaire de tâches à côté. Comme ça, on va peut-être voir vraiment la. Oui, c'est long, mais Colt, c'est pas un souci. Donc, grosso modo, si moi je fais le résumé en passant en travers, pour ceux qui n'ont pas lu l'article, hein, c'est normal, hein, le truc il date d'il y a 10 ans. Ça fait déjà 10 ans que j'utilise Linux au quotidien sur mon ordi portable. Ça, c'est cool. Donc j'étais déjà passé à l'époque, j'étais déjà passé par du Fedora, et j'avais voulu tenter Mint XFCE. Ça marchait, mais bon, XFCE, je sentais que c'était quand même pas la folie. J'avais encore des problèmes de performance. Parce que notamment à l'époque, on était encore avec des lecteurs flash sur certains sites web. C'est une époque qui manque pas, hein, pour le coup. J'ai eu des bonnes surprises. Après, j'ai eu des problèmes avec le fonctionnement, c'est-à-dire que je voulais avoir un dock, le dock marchait pas bien, des bugs graphiques, des petits trucs aussi par rapport à Mint, voilà, donc on n'était pas sur un truc un truc de la folie et j'ai découvert Manjaro. Donc voilà. Et en fait hein, le dernier article, c'est vraiment je suis resté sur Manjaro, même si j'ai changé plusieurs fois de bureau depuis. Manjaro, c'est vraiment. Voilà, c'est ma distribution depuis maintenant 10 ans. Alors, je suis passé par XFCE. Non, j'ai KDE, XFCE. J'ai tenté Bipin, je crois. Bipin, desktop.
Et là, je suis sur Cinnamon depuis quelques temps maintenant. Depuis un bon moment maintenant. Et pour l'instant, j'ai pas prévu d'en changer. Ça marche très très bien. À tel point que l'époque où j'ai eu l'occasion de changer de système d'exploitation sur mon ordinateur de boulot, j'en avais fait un article aussi d'ailleurs, j'étais parti sur Manjaro. Ça avait causé quelques problèmes après sur un. J'ai failli en parler dans un article, mais j'ai jamais réussi à rester poli, donc j'ai pas voulu le sortir. Je m'ai auto-censuré. Bon, alors du coup, donc vous voyez, je vous ai fait un petit résumé comme ça rapidement. Je vais lui donner le texte en brut, et on va voir en combien de temps il me répond avec le résumé. On va voir ce qu'il dit dans le résumé. Sachant que je lui demande en français. Enfin, sachant que je lui balance un texte en français, et qu'il y a de grandes chances. Alors par contre, je lui ai balancé le texte brut, je lui demande même pas de. Ah oui, alors, attendez, on va peut-être le. Peut-être le faire. Salut Tutio! Je crois que c'est potentiellement ma petite sœur. Donc là, je lui dis, fais-moi un résumé du texte suivant. On va coller tout le texte de l'article. Et là, c'est parti. Et là, je vois toujours pas le. Mais c'est bizarre, je vois pas le compute. Il me manque un truc dans Windows pour. C'était le High Priority Compute que j'ai raté? Je dois rater quelque chose, c'est pas possible. Ah, c'était sur le compute 1, d'accord. Je vais aller comprendre pourquoi. Mais bon, bref, voyez la vitesse à laquelle il a crashé le truc. Et donc là, il fait un résumé. Donc, honnêtement, comment dire? Ça va très très vite, hein. C'est très résumé, ce qui est normal, hein, c'est le concept d'un résumé. Il nous dit que j'ai utilisé Linux Mint, mais j'ai rencontré des problèmes techniques avec Kerodoc et Firefox. C'était vrai. Je commence à m'ennuyer d'XFCE, je décide d'essayer KDE. Et KDE, alors c'est pas complètement mis dans le bon ordre, parce qu'en fait, KDE, je l'ai découvert avec Manjaro. En fait. KDE, je l'ai découvert avec Manjaro. Et donc du coup, ça nous dit Manjaro, distribution basée, machin, vise à simplifier l'installation et l'accès pour les nouveaux venus, oui. Enthousiasmé par le spin KDE, oui. Si. Offre thème personnalisable, fonctionnalité pratique, regret de ne pas avoir pu installer. Alors que si. Ah oui, non, c'est que j'ai pas pu faire l'installation en dur sur la carte SD. Oui, ça c'est autre chose. Et donc voilà. Et après, ça dit, l'auteur explore les différentes distributions Linux pour trouver celle qui correspond, qui répond à ses besoins et préférences, ce qui était vrai. Et donc, ça nous a donc résumé un article qui m'avait peut-être pris quelques heures à écrire, à documenter, à mettre en forme, à faire des captures d'écran, etc. En 2 secondes. Et qui prend 20 secondes à lire. Vous voyez à quel point ça peut être violent. Et ça, pour le coup, c'est quand même assez fiable parce que vous lui passez le texte directement. Vous lui demandez pas de générer du texte à partir de rien. Vous lui demandez de générer du texte spécifiquement à partir d'un contenu que vous lui fournissez. Et c'est en ça que ça fonctionne bien. C'est en ça que ça fonctionne bien. Par contre, bah, ça demande quand même. Là, ça va vite parce que j'ai quand même un PC à 2000 balles. On va pas se mentir. J'ai tenté de faire ça sur l'ordi portable de 2016. Parce que techniquement parlant, c'est 2016. Alors non, ça je l'ai dit juste avant que tu arrives. On ne peut pas lui donner le texte. Là, je dois lui donner le texte parce que on peut pas lui donner. Parce que là, je lui ai donné du texte brut. C'est un outil qui est fait pour comprendre du texte brut et je lui donne un texte brut. Si je lui passais le lien du site web, il verrait ça. Il verrait ça. Il verrait ça. Il verrait ça. Il verrait tout ça. Et là. Il commencerait à voir des bouts de texte.
Mais alors, pour info, oui, on n'a pas la vue. Il n'y a pas une vue WordWrap ou un truc comme ça? Retour à la ligne automatique, voilà. Si on veut que tout le contenu soit à l'écran, lui, il verrait tout ça. À moins de lui passer explicitement des informations sur à quel endroit il doit se concentrer pour lire le texte, bah potentiellement il va pas réussir à le, il va pas réussir à le prendre. Il va pas réussir à le prendre. Donc parce que d'ailleurs, ce qui est bizarre. Ouais, voilà. En fait, l'article, il commence là. Mais à part dire coucou, c'est un paragraphe, et en plus, ça commence par un lien. Même pas parce que. Si, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça, parce que là, j'avais mis le titre. Le titre, c'est Migration épisode 2, parce que ça concerne épisode 2. Et en fait, c'est le texte, il est là. Ah, et ouais, donc en plus, il faut vraiment savoir lire du HTML. Donc si on lui donne pas. Alors, il saurait peut-être s'en sortir, hein. Mais comme il y a quand même pas mal de code HTML pur autour, hein, qui génère du bruit, au final. Et je parle même pas, là, du fait qu'il m'ait remplacé tous les accents par, par des. Par du caractère spécial, c'est pas évident de comment? C'est pas évident que la qualité du résumé soit la même en lui passant le truc. Souvent, ce que j'ai vu quand j'ai voulu tester cette semaine, alors pour le coup c'est sur le PC du boulot qui est plus récent, mais où j'ai quand même que du CPU. Sur le papier, on peut faire un truc du style. On peut directement appeler l'IAMA 3 comme ça, en lui disant fais-moi un résumé du texte de points, et là on fait un dollar et on fait un type et on met le chemin du fichier. Donc type sous Windows, ça permet d'avoir le. Comment? De récupérer le contenu du fichier. Là, j'aurais pu. Le truc, c'est que moi, quand j'ai tenté de faire ça, typiquement, si on se mettait. Alors, on va se mettre là, on va se mettre un nouveau fichier rapidos. Document texte, merci. Migration 3, on va l'appeler comme ça, on colle le contenu dedans, on enregistre, on ferme, je fais ça, et je dis type.anti/ migration3.txt, il l'a trouvé, c'est parfait, et je ferme l'onglet, et je ferme le guillemet. Si je fais ça, putain, et là ça passe. J'ai essayé de faire ça au boulot, et je me suis pris une erreur de taille de. Non mais il est sérieux. Alors, ce qui est rigolo, c'est que là, du coup, je lui passe le contenu du texte et on n'a pas le même résumé. Là, le résumé, il me fait l'impasse sur le début du texte. J'ai raté quelque chose quand j'ai fait le copier-coller ou même pas. Même pas, même pas. Il a carrément. Ah ouais, donc il faut quand même qu'on fasse attention. Il a carrément masqué le. Comment? Il a carrément masqué le fait que Cinnamon c'était bien, mais que j'avais eu des problèmes avec. Pour se concentrer que sur la partie Manjaro. Oula, oulala, oui, puis le dernier paragraphe, dis donc. Ok. Donc,
Alors, et bon, par contre, il faut quand même savoir que là, je travaille sur comment? Directement avec la ligne de commande de Oliama. Oliama, c'est avant tout un outil pour se faciliter la vie facilement, notamment pour l'installation. C'est quand même un système qui fonctionne en mode API, ce qui veut dire qu'en fait, on peut lui passer des choses. Et donc, souvent, ce qui va se passer, c'est que le truc est fait pour traiter du texte. Du texte, il y en a dans plein de types de documents différents. Et donc, on peut avoir des surcouches, des interfaces qui vont permettre de bosser et de passer un fichier, typiquement, et qui vont faire le travail d'extraire le texte du fichier pour ensuite le passer au modèle. Voilà. Et j'ai vu des interfaces à base de. Alors souvent, ça se présente après. En tant qu'utilisateur, ça se présente comme une interface web, mais on a un petit formulaire qui permet d'envoyer ou de pointer vers le PDF. Et donc après, bah, l'outil va prendre le PDF, par exemple, souvent PDF, et extraire le texte pour ensuite le passer au modèle et qui va lui le lire derrière. Après, maintenant, de plus en plus, on commence aussi à avoir des modèles qu'on appelle multimodaux, c'est-à-dire que on peut lui demander, typiquement, on lui parle et on lui donne des instructions pour faire quelque chose qui n'est pas du texte. Typiquement, l'IAVA, c'est déjà ça, c'est-à-dire qu'on lui demande de prendre un fichier image et de nous en décrire le contenu. Donc, il fait de la reconnaissance d'image, mais derrière, il génère du texte, une description, qui là est faite avec un modèle plus classique. C'est pour ça que c'est marqué Phi 3, Llama 3, etc. Et on commence à avoir la même chose aussi avec de l'audio et l'intégration entre guillemets verticale de tout ça. On a eu ça récemment avec le chatbot, l'appli de chatbot qui a pas duré longtemps d'OpenAI, où on lui parle et elle nous répond avec une voix qui en plus émet des émotions, entre guillemets, il y en a toujours pas, hein. Ça reste toujours des bêtes outils mathématiques et statistiques. Mais le choix du rendu du texte et notamment du jeu de la voix fait que et qu'on est quand même sur quelque chose d'assez déroutant, on va le dire comme ça. Après, derrière, ça reste les performances de ChatGPT, hein, de GPT-4, en l'occurrence de la version GPT-4o, qui est quand même particulièrement rapide et efficace, et toujours aussi multilingue, toujours potentiellement aussi illégal sur les données qu'ils utilisent pour l'entraîner, mais bon, ça, un jour, on arrivera à taper suffisamment fort. Du poing sur la table pour qu'on arrête les conneries. Peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils ont jamais sorti, qu'ils n'ont toujours pas sorti la version vidéo. Parce que des mini-vidéos de quelques secondes, des générations de mini-vidéos de quelques secondes, on commence à en avoir depuis un moment maintenant. Et il y a quelques temps, ils ont présenté. Oui, nous, on a un outil pour faire des vidéos d'une minute, ce qui est monstrueusement long pour la tâche de génération. Ils ont montré des vidéos assez impressionnantes, même si encore un petit peu dérangeantes, mais quand même beaucoup moins qu'avant. Et comment dire? Mais lui, pour le coup, il est toujours pas sorti non plus. Parce que potentiellement, ils sont amusés à utiliser des choses qu'ils n'auraient pas dû, du type le catalogue de vidéos de YouTube. Pour le petit panel de vidéos comme les miennes qui sont publiées en Creative Commons by SA, je crois, ça, ils ont le droit. Ça, ils ont le droit, et YouTube n'est pas censé avoir son mot à dire là-dessus. Mais la majorité des vidéos qui sont publiées sur YouTube sont publiées avec une licence propre à YouTube
qui interdit la réutilisation du contenu de YouTube ailleurs, y compris et surtout pour des utilisations commerciales potentiellement concurrentes. Que je ne fais pas. Donc, moi, les vidéos que je poste, les vidéos que j'ai postées par le passé, les vidéos que je fais là-dessus, que je fais là, utilisent la licence Creative Commons. Alors, évidemment, le BY-SA, donc avec l'utilisation commerciale, parce que le jour où vous voulez monétiser, vous n'avez pas le choix, bien obligé d'accepter le fait qu'ils mettent de la pub. Que ce soit juste pour eux ou si vous êtes suffisamment chanceux en partie aussi pour vous. Mais voilà. Donc je suis dégoûté hein, parce que ça je l'ai testé au boulot et ça voulait pas marcher et mon PowerShell me crachait une erreur de l'enfer. Donc ça me fout un peu les boules. Mais ça marche. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, alors les images. Les images, alors je vous le remontrerai pas parce que j'ai pas envie de me refaire mal. Mais le AI Quickset, c'était pas un truc qui marchait bien. Du coup, tout à l'heure, un collègue de boulot m'a montré Shark. Shark, il me semble que j'avais déjà expérimenté un petit peu, mais enfin, je l'avais vu passer à un moment donné. Je l'avais pas gardé en visu, mais donc là, il s'agit de travailler sur de la génération d'images, tout simplement. Avec le support des cartes AMD, parce qu'on en revient toujours là. Mon problème principal avec ces outils-là, c'est que la plupart du temps, quand on est chez Nvidia, et typiquement, bah, c'est le cas de ma petite sœur, hein, avec son super laptop... il y a déjà un an, enfin qu'elle a déjà eu de... il y a un an, plus d'un an maintenant, elle a une RTX 3060 et elle peut utiliser des outils de génération graphique, des outils audio, alors toute la panoplie d'outils Nvidia, type RTX Voice pour le micro, etc., pour avoir un filtrage de son au niveau du micro qui tabasse du feu de Dieu. Mais voilà, sinon on est là. Vous voyez, bon, les trucs qui m'emmerdent un petit peu, c'est que, comme d'habitude, plutôt que d'avoir un truc ouvert pour s'aider à débugger, ils nous disent ouais, allez sur Discord, comme ça on perdra toutes les infos le jour où on fermera tout. C'est chiant. Alors par contre, lui, a priori. Il s'installe en ligne de commande avec Python, y compris sous Windows, PowerShell de préférence. Donc, je vais potentiellement... Ok, donc il faut le faire comme ça, en claquant... Ok... Ah oui, d'accord, donc on claque directement... Ouais, mais là, par contre, c'est CPU. Le Pitorch CPU, il m'intéresse pas, lui. Mmh. Ça a l'air quand même un peu brutal, hein, comme fonctionnement. Alors, c'est quoi l'intérêt de nous dire que... qu'on peut utiliser les pilotes AMD si derrière on nous parle. Alors là on a le source code, là on a Shark Studio Windows. C'est intéressant ça. J'aime bien le config loading is broken. Ah. On va peut-être se calmer alors. Parce que là ils nous font quoi? Putain ouais, ils font des automatic snapshots.
Là, on a une first release qui date du 30 avril. Ok. Et donc, on peut tenter a priori Shark Studio. Bon, on va tester Shark Studio. Allez hop. Voir ce que ça donne. J'avoue que si on peut avoir un truc qui fasse un peu moins bricolage que ce que j'avais fait il y a quand même pas mal de temps. Ok. Alors ça, je voyais par exemple, ça j'aime pas. Ça j'aime pas. Parce que ce qui m'intéressait, c'était justement de pouvoir l'utiliser avec la carte graphique, et là il vient de me dire que la carte graphique n'était pas là. Ça me plaît moyen. Ça me plaît moyen. Là il me dit que j'utilise Gradio 419.2, mais c'est pas moi qui décide. Et du coup, le problème c'est que là, si je fais ça, je vais me taper mon CPU, quoi. Non, j'ai le choix avec Vulkan. Ah, mais non, pourtant il vient de me dire que Vulkan n'était pas dispo dans la console, là. Dans le truc qu'il a lancé. Vulkan Devices. Ah, Revealable, d'accord, ok, autant pour moi. Ah oui, donc là ça va passer, mais ça va passer en 3D. Ça va pas passer avec le ROCm. Ça, c'est ouf quand même que ça fonctionne pas. On va rester en FP16. On a un modèle Stable Diffusion 2.1. A priori, de toute façon, il n'y a pas beaucoup mieux. Hein. On va pas se mentir. De ce côté-là, en termes d'open source pour la génération d'images, c'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins, comment dire, actif que tout ce qui concerne le texte. Mais du coup, je veux quand même tester la génération et je veux voir combien de temps ça prend. Donc là, on va prendre le texte par défaut. Je vais laisser, il y a une première présentation de prompt là. Photo taken of the front of a supercar drifting near mountain. Donc, we smoke coming off the tires, front angle, ok. Front point of view, on a compris. Trees in the mountains of the background, ok, ouais. Sharp focus, donc ça veut dire que normalement on va avoir le fond est censé être un peu flouté. Et par contre, négatif prompt, alors je ne sais plus ce que c'est, pas de watermark, pas de signature, pas de logo, pas de texte, machin, pas de monochrome, d'accord, pas de blurry, surtout pas, pas de sursaturation et pas de cropped. Ok. Je vais juste laisser tous les trucs comme ça. On lance le start et on voit ce qui se passe sur les performances de la carte graphique. Il est en train de mouliner. Et là, effectivement, on a la 3D qui s'est un petit peu emballée. Pas de quoi fouetter un chat. Ça change pas. On n'est pas sur une performance de fou. En même temps, là, en même temps, il a l'air d'être plutôt sur le CPU. Hein. J'ai l'impression que c'est le CPU qui prend plus le tarif là, parce que la mémoire, elle a monté très fort là. On est censé passer sur Vulkan, mais au final, j'ai l'impression que c'est pas la carte graphique qui est en train de bosser. Hein. Et pourtant, la mémoire de la carte graphique, elle a grimpé aussi. Ce serait foutu en mode.
Ah, d'accord, ok. Ok. C'est la première exécution, donc du coup, il est en train de tout me faire à la main. Oh, punaise. Ouais, erreur. Il s'est fermé. Bon. Vous savez quoi? Je crois que la génération d'images, c'est toujours pas pour ce soir. Honnêtement, j'ai vraiment pas envie d'insister parce que ça me bassine que ça marche toujours pas. C'est hallucinant. Je serais chez Nvidia. Chez Nvidia, il n'y aurait aucun problème. Tout marcherait. Enfin, ce serait un peu compliqué, surtout quand on a. Sur la génération d'images, la mémoire, elle est encore plus énervée que. Mais. Parce que là, en plus, l'interface, elle répond plus. Enfin, elle répondra plus. C'est-à-dire que là, on n'a plus la fenêtre. La fenêtre n'est même plus démarrée. Donc en fait, c'est plus la peine de chercher. Mais en tout cas. Alors si ça se trouve. C'est bizarre que ça, le config loading broken. Si ça se trouve, cette version-là, elle fonctionne un peu mieux, mais. Il y a quand même un mois de différence entre les deux, quoi. Avec un peu de chance. Mais bon, voilà. On est là-dessus. C'est quand même pas. Alors ce qui m'emmerde, c'est qu'en plus les drivers, je les ai réinstallés il n'y a pas si longtemps, parce qu'avec toute la merde que m'a fait Microsoft, avec le chargement des pilotes qui vont pas bien, j'ai été un peu. Comment dire? Oui, bon là, il est en pleine extraction. Surtout, il est en plein scan antivirus, là. Ok. Ah, bah là, il a trouvé les Rockem Device. Donc là, il va utiliser la carte graphique comme il faut. Alors. Ça me va. Ça me va très bien. Avec un peu de chance. Radeon 7900 XT, Rockem 0. Ah ah! Toujours le même modèle. Toujours le même truc. Start. Erreur, direct. Mais là, cette fois, il nous dit External weight is not defined. Alors, mais en même temps, j'y ai pas touché. J'en ai pas besoin. Alors. Ah oui, il n'y en a pas. Ou alors, il faut que je prenne une version. Hop, comme ça. Pas besoin. Non, c'est la même. Il va me cracher le même truc. Manifestement, personne n'a eu le problème, c'est un bonheur. En même temps, si ça se trouve, il nous dit qu'il faut Python 3.11. J'ai quoi comme version de Python installée? Est-ce que j'ai déjà bricolé avec du Python sur un. Python est introuvable. Ouais. Oui,
Ouais, bah non, mais donc Python n'est pas installé. Alors, est-ce qu'on s'installerait pas Python 3.11 histoire de. Si ça se trouve, on a. Un problème à cause de ça, hein. Parce que j'avoue que moi je télécharge comme un furieux là, comme ça, et je lance comme un boulet, mais. Est-ce que ça va marcher? Alors, fermons-lui sa mouille et relançons-le. Ah, oh, j'entends le CPU, le ventilo du CPU se mettre à hurler dès que je le lance. Tiens, je vais fermer la fenêtre d'ailleurs. Non. C'est toujours la même. C'est toujours la même. Là, il nous fait un truc avec du local temp machin. Je me demande si c'est est-ce que c'est ça qui foutrait la grouille. Parce que là, on a vu a priori, ils ont pas de qu'est-ce qu'on a dans les issues récentes. Ah, c'est encore autre chose. Manifestement, c'est quand même. On est quand même sur un truc qui est. Comment dire? On voit que là, au mois de janvier, ils avaient le problème et du coup, ça a été corrigé depuis. Mais en fait, ils font pas. J'ai l'impression qu'ils font même pas le ménage dans les. Dans les issues. Ouais, ça sent quand même le truc où il va falloir qu'on lâche l'affaire. J'ai pas envie d'y passer plus de temps que ça. De quoi j'avais envie de parler du coup, bon, je me garde ça sous le coude, mais manifestement, clairement, on n'y est pas. J'ai pas l'impression, pourtant, il y a l'air d'avoir de l'activité, mais ce qui est dingue, c'est que. Enfin, il y a encore 62 pull requests, quoi. Voilà, typiquement, là, il parle de problème qu'il avait avec le. Avec les external weights. Là, le mec, il a rajouté du code. Bon, ça, a priori, ça a toujours pas été. Okay.
Bon, allez, on va laisser tomber. Je vais me le garder là-dessus. Ah. Ah, d'accord. Alors, 2 secondes. Il a potentiellement fait de la merde dans le dossier de téléchargement où je l'ai. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Faut virer les fichiers .vmfb. Est-ce qu'il y a des fichiers .vmfb qui traînent? Non. Bon, par contre, du coup, il conseille de le faire dans un nouveau dossier. Bon, on va faire un nouveau dossier. On va t'en faire un dernier essai. Allez, un dernier essai. Voilà. Hop, on va fermer. On va prendre ça. On va se créer un nouveau dossier qu'on va appeler Shark. Et là, on va le lancer dans le dossier. Mais tout à l'heure, de toute façon, les messages, ça mettait qu'on travaillait dans le dossier temporaire. Donc, a priori, il n'y a pas de raison qui. Ah ouais, non, quoique là, il a. Ok, donc là, il a mis bien. Ok! Bah ouais, c'est peut-être ça le problème. Alors. Non! C'est pas ça! Oh putain! Ah, ça veut pas, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Non, parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il bosse avec. Il bosse avec un dossier temporaire, donc si je vais dans ce fameux dossier temporaire, c'est utilisateur, c'est boss, appdata, local, temp, et là il a créé des dossiers à chaque fois, on voit les différentes exécutions, 22h11, 22h12, donc, en fait il crée un dossier différent, il rajoute tout là-dedans. Bah, il embarque Python en fait. Il embarque directement Python lui-même. Donc j'ai même pas besoin d'installer Python, il l'embarque tout seul. Donc il devrait pas avoir de problème. Mais je sais pas pourquoi. Il a décidé. Alors c'est dans Gradio. Et Gradio fout la merde. Donc après. Qu'est-ce qu'il nous dit lui? Gradio 429. Qu'est-ce que Gradio? Machine Learning Apps. Ok. GitHub Gradio. Alors est-ce que Gradio 429, lui, il a un problème le problème qu'on avait. Enfin, du coup, est-ce que. Elle est où l'erreur? Ouais, bah oui, évidemment. Il n'y a même pas de. Ok. Plus. Mais après, là, ça parle de SD inférence, machin, etc. Mais je suis pas sur un custom modèle, là. Je suis sur le modèle. De moi ou oui, on est sur le même délire là.
sais pas pourquoi il nous claque un custom machin alors que c'est pas le cas. Bon. Allez. J'arrête là. Tant pis. Enfin, voilà. En tout cas, moi, pour le texte, je commence à avoir des choses vraiment intéressantes. Ça me plaît bien. Pour la blague, je vais m'enregistrer ce code-là. Hop là, je vais y arriver. De la même façon que j'avais enregistré l'autre. Comme ça, quand je m'attaquerai au dossier, j'essaierai directement d'exécuter le code. Mais elle a l'air plus concis quand même, hein. J'ai l'impression qu'il y a moins de blabla. Allez, arrête-toi. De toute façon, ça marche pas. C'est pas la peine. Hop, j'ai installé Python pour rien. Enfin non, ça pourra me servir dans le futur. On va fermer ça. Alors, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Ça, c'est pour potentiellement utiliser Oliama dans d'autres applis. Bon, je... Sauf que je voulais tester des trucs dans le WSL2, mais qui pointent sur le Oliama qui est dans Windows. Et je dois encore travailler un peu cet aspect-là. Parce que pour l'instant, tout simplement, ça ne marche pas. Voilà. Ça doit pas être très compliqué, mais j'ai un bout de réseau à régler pour que ça fonctionne. Donc on verra. On verra. Alors pour rigoler, avant de passer à la suite. Je suis tombé sur cet article, au titre assez rigolo, qui est un guide pour le protocole HTTPS, qui est utilisé tout le temps, partout, même sans que vous en soupçonniez l'existence. Vous avez du HTTPS dans tous les coins, et l'auteur de la page a écrit un... guide pour HTTPS pour... de la part d'un ingénieur médiocre. Voilà, donc c'est très rigolo. Mais dans la pratique, ça revient sur plein d'aspects techniques du HTTPS. Sur des petits rappels de comment fonctionne le réseau, sur des petits diagrammes comme ça pour dire, voyez, c'est censé se passer comme ça. Et donc ça revient dans tous les... sur toutes les... comment ? Sur tous les aspects liés à HTTPS. Alors, je sais pas quand est-ce qu'il l'a écrit, celui-là, pour savoir, parce que ça parle de TLS 1.3 et de TCP. Donc, grosso modo, ça doit se limiter derrière à HTTP 2, grand max, puisque HTTP 3 ne fonctionne plus sur TCP, mais sur UDP. Donc bon, voilà. C'est pas si grave. Donc ça, voilà, c'était un truc rigolo. Pour les techniciens qui seraient là, je mets le lien dans le chat. Je le mettrai dans le replay YouTube, dans la description sur YouTube, comme d'habitude, je pense. Et un autre sujet, du coup, que je voulais aborder, parce que c'est... Donc je disais qu'il va nous faire plusieurs épisodes. Avez-vous déjà entendu parler de chaos engineering? Donc de l'ingénierie du chaos. C'est quelque chose où beaucoup d'entre nous ont dû en entendre parler la première fois quand Netflix en a parlé. C'est une méthode de...
test pour sa plateforme, où en gros, ça paraît con quand on le dit comme ça, c'est on casse un truc et on voit comment ça tient. La réflexion derrière, c'est comment modifier notre plateforme, comment modifier nos applications pour qu'elles puissent continuer à fonctionner quand on casse quelque chose. Quand quelque chose cache, enfin, casse, enfin voilà, vous avez le vocabulaire. Et donc à l'époque, ils avaient présenté leur outil qui s'appelle Chaos Monkey. Qui est toujours plus ou moins maintenu. Plus ou moins. Je sais pas s'ils contribuent encore activement dessus, à savoir qu'ils s'en servent quasiment toujours en interne chez eux, hein, c'est obligé. Même si c'était très utilisé, surtout quand ils avaient énormément de choses par rapport à AWS. Maintenant, ça a été aussi étendu pour supporter d'autres plateformes. On se servira pas nécessairement de cet outil, mais c'est pour voilà, c'est pour expliquer que grosso modo, quand ils ont balancé le truc, a priori il y a 8 ans, voilà, initial commit il y a 8 ans, ça a été pas une petite révolution, mais pas beaucoup de monde en avait entendu parler il y a 8 ans de cette méthode de fonctionnement. Et j'ai envie de pousser la réflexion pour tenter d'en faire, tout simplement, de faire une première itération. Mais l'idée, ça va être j'ai envie de le rendre un peu visuel, c'est-à-dire que je veux pouvoir mettre quelque chose en place, qu'on puisse voir visuellement évoluer, ou en tout cas où on va pouvoir voir évoluer le comportement pendant qu'on en parle, pendant qu'on expérimente le fait de casser des éléments dessus. Donc, ça va quand même demander quelques éléments. Donc, je vais me créer une deuxième. Alors, je peux pas zoomer plus l'interface là. Je sais plus. Apparence, taille de la police éditeur, 18. Ouais, ça sera peut-être plus clair pour vous. Hop. Sérieux. L'idée, donc, ça va être d'avoir une plateforme, on va l'appeler cible. Donc, c'est la plateforme qui va prendre le tarif au fur et à mesure qu'on va le bricoler. Je sais pas encore quelle forme ça va prendre. Est-ce que je vais le faire dans du Kubernetes? Est-ce qu'on va faire... Je vais pas forcément faire un gros truc, mais il faut faire un truc avec plusieurs composants. L'idée, c'est quand même de se dire... il va nous falloir un minima... allez, on va se dire un truc tout bête. Un petit frontal web, une petite base de données, et puis on va se mettre un petit cache mémoire type Redis ou un truc comme ça. Voilà. Et en gros, quel que soit celui des trois qui plante, on verra comment ça se goupille, comment ça se comporte. Mais c'est surtout l'idée, c'est de comprendre comment on met un outil en place. Parce qu'après, il y a différents scénarios. Le chaos engineering, c'est pas juste, par exemple, on va péter la base de données, et qu'est-ce qui se passe quand on pète la base de données? Ça peut être juste simplement ralentir la base de données et voir quel est le comportement qui en découle, parce qu'on a déjà vu des comportements non prévus par les applications juste parce qu'il y a des choses qui sont lentes. Et on peut le faire au niveau, typiquement, de la consommation du CPU de la base. On peut faire via une saturation du réseau entre les composants. C'est pour ça l'idée d'avoir un truc avec trois composants. Ça va être le concept, ça va être de voir comment faire, de pouvoir simuler le fait de bloquer des choses entre ces composants, plutôt que d'avoir un gros monolithe. Parce qu'un monolithe sur des grosses... Si on a juste un petit blog avec 1000 visites par mois, vous mettez ça sur une machine virtuelle
tous les composants pour héberger le site sur une machine virtuelle unique, c'est ce que je fais moi, hein, avec mon blog à moi, et même au plus fort de sa popularité, avec les 20 000 visites par mois, c'était sans douleur. Pour voilà, pour des sites à plus fort trafic, il y a d'autres stratégies qui sont mises en place, et donc l'idée c'est de voilà. On se retrouve très souvent avec des éléments qui sont découpés, distribués, avec des éléments intermédiaires qui sont là pour améliorer une partie des performances. Et donc l'idée, ça va être de voir comment ça se comporte quand quand certains des éléments ne fonctionnent plus. Ça va être notre plateforme de base. Il va nous falloir un minimum de... Alors, je vais utiliser un gros mot, entre guillemets... d'observabilité. On va plutôt parler de monitoring dans le cas présent, on va pas se mentir. Mais l'idée, c'est de pouvoir visualiser très rapidement, en tout cas à intervalles très courts, le comportement, la consommation des différents éléments de notre plateforme. Donc on va surtout avoir besoin de monitoring, on va pas se mentir, on va pas parler d'observabilité trop tôt. Il va nous falloir du monitoring, mais un outil de monitoring temps réel. Je vais le dire comme ça. Et surtout, ce sera un monitoring qui nous permettra de visualiser ou de pouvoir regrouper les métriques propres à chaque service de notre plateforme sur une vue agrégée, sur une vue regroupée. Pas tout mélanger, hein. Regrouper, c'est-à-dire que on pourra voir la consommation du Redis, la consommation de la BDD, la consommation du frontal web, de manière très distincte, mais au même endroit visuellement parlant. Et ça nous permettra de voir un petit peu ce qui se passe au niveau de l'application, en fonction du type de scénario qu'on va imposer. C'est-à-dire que si on veut typiquement dire on va simuler une saturation du CPU sur le frontal, quand on va lancer l'outil qui va générer ça, on devra voir que le CPU frontal est blindax. Un autre élément... Alors, ça, du coup, ça va. Un autre élément, du coup, que je veux avoir, c'est un outil, parce qu'on va pas travailler sur quelque chose de public, on va pas travailler sur quelque chose de... comment ? De complètement privé non plus, pas forcément, mais on va quand même travailler sur quelque chose qui n'a pas de trafic. Du coup, on va avoir besoin d'un outil pour générer du trafic. Un outil... qu'on va appeler typiquement un test de montée en charge. Un outil de test de montée en charge. Et il y en a plein. J'ai pas encore décidé lequel je pensais utiliser. Déjà, je ne sais pas ce qu'on va installer. Là, j'ai parlé de la plateforme cible, on n'est pas encore rentré dans le détail. Là, on est dans les grandes lignes. La réflexion sur ce qu'on va réellement déployer, ça viendra plus tard. J'ai une idée, mais à l'abri de, voilà, de changements. Mais pareil, pour le monitoring temps réel, on n'est pas à l'abri d'avoir des changements. Et pour l'outil de test de montée en charge, j'ai pas encore d'outils bien ciblés, mais j'ai une ou deux idées en tête. On aura l'occasion d'en reparler, ce sera l'occasion d'aborder tous ces éléments-là. Et donc, derrière, il nous faudra l'outil de chaos testing. On va l'appeler comme ça, parce que c'est comme ça que je l'entends. On en a parlé, en fait, en début de semaine au boulot. Et donc, l'idée, c'est de tenter de... Et typiquement, parce que forcément, j'ai souvent du Kubernetes, donc je... Voilà.
peut-être qu'il y aura un Chaos Mesh dans l'histoire. Parce que ça a l'air d'être particulièrement facile à mettre en place. Si... Donc, c'est vous déployez ça dans votre cluster. Alors, manifestement, il n'y a pas besoin, c'est pas que pour cluster, même si c'est quand même assez orienté Kubernetes, on va pas se mentir. Le déploiement, ça se fait principalement avec Helm. Et sinon, une fois que c'est installé, qu'on a le contrôleur, machin, etc., on peut déjà commencer les expérimentations. Et donc voilà, typiquement, vous avez des éléments qui vous permettent de dire on va générer de la latence sur une application en particulier. Donc vous mettez un label pour cibler l'application que vous voulez attaquer. Vous dites quelle latence vous voulez appliquer. Vous dites pendant combien de temps. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple, quand même, ça se pose là. donc ça donne une idée un petit peu du... Voilà. Et donc on peut créer comme ça plusieurs scénarios de, on va dire, de disruption. Il y a un outil comme Chaos Mesh vous permet ensuite d'analyser le résultat de ce que vous avez fait comme expérimentation. Bon, déjà vous pouvez le faire directement avec un describe de votre expérimente. Donc voilà. Et après, on peut même carrément créer des workflows un peu plus énervés pour simuler plusieurs différents types de pannes. En fonction de ce que vous voulez faire. Voilà. Donc, c'est un outil. En l'occurrence, là, c'est pour Kubernetes. Donc, il y a des chances, honnêtement, qu'on se fasse le... Comment ? La... Ce test dans Kubernetes, tout simplement parce que, hop là, voilà, tout simplement parce que c'est une plateforme qui permet de le faire assez facilement. Mais c'est pas exclusif. Si en cherchant un petit peu, il y a d'autres outils comme, je crois que c'est Titmus, je crois, qui s'appelle comme ça. Ou Litmus Chaos, voilà. Donc ça, c'est un outil un petit peu plus énervé, mais qui potentiellement, si on se penche un petit peu... bon, pas de bol, c'est aussi sur du Kubernetes. Merde. Oh. Bon, je... Comment dire ? Doit y avoir moyen de le faire autrement, hein. Faut que je fouille un peu plus, mais typiquement... Moi, en l'occurrence, pour la démonstration et pour vous présenter un peu plus le concept réellement, je pense que ce sera intéressant, ce sera suffisant et suffisamment intéressant de vous le présenter même sur une plateforme dans Kubernetes. Voilà. Éventuellement. Du coup, je pense que ce sera déjà pas mal. Donc l'idée, ce sera de visualiser en fait, on aura deux façons de visualiser. On aura le monitoring temps réel qui pourra nous montrer via les métriques une partie de l'impact du scénario qu'on aura choisi d'appliquer.
Et l'outil de test de montée en charge qui lui va normalement nous afficher. Enfin, en fonction de l'outil que je vais choisir, on pourra visualiser plus ou moins facilement, plus ou moins temps réel le comportement de notre scénario de test. On fera tourner en boucle en fait, hein, tout simplement. Mais l'idée, ce sera de dire, on va le gêner, on va le. Comment? On va le démarrer, on va voir typiquement les temps de réponse, par exemple. Si on parle sur un truc web, on va parler de temps de réponse. Généralement, ça va être le principal temps de réponse, code d'erreur. Et donc, en fonction de ce qu'on va faire et de ce qu'on va casser, on va voir les différentes choses visuelles. J'espère visuellement, le plus visuellement possible, montrer d'un seul coup l'augmentation du taux d'erreur, l'augmentation du temps de réponse, tout simplement. Et ça, j'ai envie de. Normalement, on devrait pouvoir le montrer assez visuellement, plus ou moins en temps réel. C'est-à-dire qu'on parle d'intervalle de 10-15 secondes, par exemple. Donc, c'est quelque chose qu'on va voir assez rapidement dès qu'on va lancer quelque chose d'un peu énervé. Donc sachant que voilà, cette pratique de chaos engineering qui consiste à faire mal à la plateforme pour essayer de trouver des solutions aux différents scénarios où ça se passe mal, qu'on doive dealer avec des problèmes de latence réseau, qu'on doive dealer avec de la saturation de ressources, qu'on doive dealer avec du fail pur et dur de composants où on pète des choses. Et donc typiquement, donc Netflix en a parlé, ils sont pas les seuls. Alibaba fait ça aussi. Vous avez Datadog qui est une entreprise qui fournit un outil d'observabilité particulièrement adapté à tout ce qui est cloud computer, cloud computing et cloud native. Leur plateforme est quasi intégralement basée sur du Kubernetes et ils font du chaos engineering sur leurs monstrueux clusters. Eux, ils ont des clusters de 3 à 7 000 nœuds, un peu de choses près par là, il me semble. Donc avec énormément de containers et donc ils peuvent s'amuser à dire oh bah tiens, sur tel service, on va péter 15 containers sur les 200 et on va voir ce qui se passe. Donc, ils font ça en production. Bon, des fois, ça va un peu trop loin. Non, j'aime pas tirer sur l'ambulance. Mais quand ils nous ont fait le blackout d'une journée complète l'année dernière, bon. Comment dire? Là, c'était pas lié au fait qu'ils voulaient casser un truc. En l'occurrence, ça s'est pas bien passé. Bon, ils ont quand même fait les cons, mais ils cherchaient pas à casser un truc pour voir si ça tenait toujours la charge. Mais ils le font. Voilà, ils pratiquent ce truc-là pour essayer de comprendre à quel endroit ils doivent mettre un peu plus de redondance, à quel endroit ils peuvent retoucher les consommations de ressources pour mieux adapter le fait de pouvoir perdre une partie des composants, dans quelle mesure ils peuvent se permettre de continuer à avoir un service ralenti si voilà, je vais y arriver. S'il y a quelque chose qui ralentit pour X raison, je dis voilà, on y est. Donc voilà, ça va prendre plusieurs lives. Est-ce que je ferai la série tout d'un coup? Je sais pas encore. On va pas forcément démarrer la semaine prochaine parce qu'il faut quand même réfléchir un petit peu aux composants avant, quand même. Même si derrière on fera toute la mise en place de tous ces éléments-là. C'est-à-dire qu'on va se concevoir la stack en étant le plus. Alors, ça évoluera peut-être un petit peu, mais l'idée c'est d'avoir au moins trois composants différents pour trois usages différents et de voir comment on redonde ou pas les choses, mais d'avoir un truc où on déploie en un bouton.
Le monitoring, lui, il sera peut-être mis en place en amont, histoire de pouvoir préparer un peu la partie visualisation avec le dashboard. Et puis après, il y aura toute une, il y a une réflexion sur la partie test de montée en charge où je veux voir un petit peu ce qui existe comme outil qui permettrait d'avoir visuellement. On va pas forcément charger beaucoup, mais on va charger suffisamment pour que dès qu'on touche à quelque chose, on voit l'impact du comportement du test des visiteurs virtuels, enfin, l'impact sur les visiteurs virtuels que ça va donner. Parce que je connais certains outils où vous lancez, ça fait tout en arrière-plan, en slash ligne de commande, et à la fin du test, ça vous sort un joli graphique. Alors que moi, l'idée, c'est quand même de l'avoir si possible en temps réel. Donc voilà, on verra comment ça se passe. Si ça marche pas, ou alors si je peux le faire autrement, on passera peut-être uniquement via le, comment, via le monitoring temps réel. Ce qui n'est pas impossible, pour la bonne et simple raison que, typiquement sur un frontal web, on peut se servir de quelque chose qu'on appelle les logs. Et donc, dans une certaine mesure, bah, les journaux, ils vont inclure les temps de réponse, ils vont inclure le code d'erreur, s'il y en a. Et donc, on va pouvoir se rajouter dans le monitoring temps réel la compilation, entre guillemets, de ces éléments-là. C'est-à-dire de voir le nombre d'erreurs, de voir le nombre de l'augmentation du temps de réponse. C'est quelque chose qu'on devrait pouvoir réussir à récupérer. Faut trouver un moyen de le mettre en place. C'est sur des gros outils type capture de log via Elasticsearch, par exemple, ça se fait bien. Pas s'installer un Elasticsearch avec un Kibana pour un truc pareil. On n'a pas besoin de consommer à mort de la ressource pour ça. On doit y avoir moyen de s'en sortir avec moins et moins énervé, mais il y a moyen. Il y a moyen. Si on ne trouve pas un outil de test de montée en charge qui peut nous montrer la vision côté client, trouvera une autre solution. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai envie de mettre en place. Et surtout, j'ai envie de le rendre visuel, y compris pour, comment? Pour les gens qui sont pas forcément ultra versés dans la technique. Pour comprendre comment on fait en coulisses pour que vos sites préférés restent debout. Et surtout, comment tester le fait qu'il reste debout dans les pires situations. Dans les pires, peut-être pas, mais dans des situations qui peuvent arriver au quotidien pour plein de raisons différentes. Que ce soit un truc qui crache, un truc qui ralentit, qui est saturé, parce qu'il ne peut pas avoir accès à ses ressources, parce que on a poussé une nouvelle version de l'application qui déconne, parce que voilà. Y a plein de choses qui peuvent se passer dans le quotidien d'une plateforme informatique. Et donc, il est question de. Voilà. Le chaos engineering se penche sur le fait de volontairement tester ces situations dégradées pour en essayer d'améliorer les. Le, pour essayer d'en réduire les effets pour les utilisateurs des différents services. Et typiquement, dans le cas d'une plateforme de vente en ligne, ça peut être très critique. Les utilisateurs sont devenus tellement cons que ils sont capables d'abandonner une commande sur un site de vente en ligne. C'est-à-dire que vous êtes prêt à acheter un produit, vous mettez le produit dans le panier, vous cliquez sur passer la commande. Si jamais les gens attendent plus de 2 secondes pour valider, pour lancer la validation du paiement, ils sont capables d'annuler une commande. Bon. Moi, j'ai toujours appris à attendre parce que j'ai mis très longtemps à avoir des connexions Internet supportables. Donc des trucs lents, j'ai toujours connu, des trucs pas fiables, j'ai toujours connu. Et donc j'ai jamais eu de problème avec le fait de devoir attendre après quelque chose. C'est quelque chose que la plupart des utilisateurs d'Internet ne savent plus faire, attendre.
Et donc, du coup, pour les sites de vente en ligne, c'est très concret. C'est très concret et le temps de réponse est un facteur déterminant sur le fait de transformer un visiteur en acheteur. Au-delà des tarifs, au-delà de l'ergonomie du site, etc., le temps de réponse est critique. C'est pour ça qu'Amazon a un très fort penchant pour cette performance à tous les niveaux, parce que c'est comme ça qu'ils font une conversion assez importante. Voilà. Il y a pas mal de choses à voir. Ça va être assez intéressant, assez varié. Je vais devoir bosser un peu pour mettre tout ça en place. Et donc, la plupart se feront. La plupart se feront en live, hein, sachant que ce sera dans cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on va commencer par concevoir notre plateforme, notre cible, notre crash dummy. Bonsoir, Cyberrat. Et une fois qu'on aura notre crash dummy, alors déjà, on pourra s'amuser peut-être un peu avec à la main. C'est pas dur, hein. Pour dire qu'on va péter un truc, c'est facile. Pour dire qu'on va limiter le CPU d'un truc, c'est facile. Sur du Kubernetes, c'est rigolo à faire. C'est complètement débile, mais c'est rigolo à faire. Par contre, bon bah déjà, le monitoring temps réel, pour réussir à le mettre en place, à partir de ce qu'on aura mis, pour avoir les informations qui nous intéressent vraiment, ça pourrait être peut-être un petit peu plus compliqué que ce qu'on pense. L'outil de TMC, ce sera rigolo à tester parce que on parle de test de montée en charge, même si là l'objectif c'est plutôt que de juste générer du trafic en arrière-plan, sans que ce soit un truc qui fasse tomber la plateforme de base. L'idée c'est quand même de se dire ces outils-là sont faits d'abord pour tester la performance d'une plateforme. Typiquement, normalement, on la teste sur un environnement dédié qui est identique à la production, ou en tout cas très très proche. Et on se donne une cible à dire, je veux, comment? Je m'attends par exemple à avoir tant de visiteurs par jour, ou alors tant de visiteurs à la minute. Il y a une partie des visiteurs qui font essentiellement de la recherche de produits. Il y en a d'autres qui se baladent d'un produit à l'autre à partir de ce qu'ils affichent sur les pages web. Je pense toujours site de vente en ligne parce que c'est vraiment un cas très fréquent. Même si, bon, bah, dernièrement, vu le client chez qui je travaille, il n'y en a pas beaucoup de boutiques en ligne. Hein. On parle de distribuer de l'électricité, enfin, produire et distribuer de l'électricité aux gens. Mais du coup, pour les cas les plus fréquents, c'est de la boutique en ligne, et donc c'est ce genre de, c'est ce genre de comportement qui est le plus souvent, le plus souvent, le genre d'action qui est le plus souvent effectué, mettre un produit dans le panier, etc. Donc c'est, voilà, toutes ces actions-là, vous pouvez les simuler via un test de montée en charge, un outil de test de montée en charge. Vous pouvez simuler le nombre de visiteurs que vous voulez en temps réel. Vous pouvez créer des paliers, c'est-à-dire que typiquement, vous attendez une augmentation régulière du trafic parce que, par exemple, vous lancez une campagne marketing, mais la campagne marketing, elle va être lancée genre en 4 fois. Donc, vous attendez à 4 paliers d'augmentation de trafic pendant la campagne marketing. Et donc, vous attendez à, je sais pas, si on parle. Je sais plus, je me souviens une fois, on avait un client qui avait eu du mal à garder son site debout. Il y avait eu une campagne qui avait été lancée sur TikTok, qui s'attendait à un truc comme 20% de conversion du trafic ou je sais plus trop quoi, sauf qu'il y avait eu un délire sur le nombre d'impressions. Ce qui fait que c'est pas 20% du trafic qu'on a pris, mais 200%. Qui était complètement débile. Et du coup, bah, le site, il a eu du mal à rester debout. Le site a eu du mal à rester debout parce que on n'avait jamais testé avant de se prendre une telle augmentation de trafic dans un temps très court et même de trafic tout court. Et donc du coup, ça a été la bataille pour essayer de rattraper un peu ce
d'absorber un petit peu ce trafic complètement furieux. Et vous pouvez simuler en amont ce genre d'augmentation de trafic avec ces outils-là. Et donc après, bah, quand ça se passe pas bien, si généralement soit c'est évident que c'est tel outil qui n'a pas suivi parce que très vite le CPU du composant est arrivé à saturation, par exemple, on va dire bon bah là effectivement ça consomme beaucoup trop, donc soit vous êtes capable d'optimiser un petit peu les paramétrages, soit vous avez juste besoin de plus de CPU, simplement. Soit peut-être essayer de mettre en place des stratégies pour dire bah on va peut-être calculer moins de choses en permanence. C'est aussi l'occasion de revoir un petit peu comment fonctionne votre application. Typiquement dans la plateforme cible, là, quand je parle de Redis, ben moi à l'époque où j'ai mis Redis en place pour le WordPress, c'était ça. J'avais d'énormes problèmes de performance disque sur la machine virtuelle, enfin en fait sur le serveur physique sur lequel j'étais, parce que bah, le serveur il avait 9 ans et que tout était rincé. Et je me suis dit comment je fais pour faire moins travailler la base de données en ayant le même nombre de visiteurs. Bah, à partir du moment où c'est essentiellement de la lecture, bah, on va enregistrer la lecture une première fois, et puis après, bah, on ne va pas refaire la lecture une deuxième fois dans la base. C'est la même page. Donc on va prendre le contenu qu'on a généré, et puis on va le mettre dans un truc en mémoire. Et comme ça, le prochain qui vient, bah, c'est pas depuis la base de données qui va lire le contenu. C'est depuis Redis. Donc depuis la mémoire. Et donc comme ça, moi, ça m'a permis de réduire quand même. Enfin, de masquer grandement les problèmes de disque que j'avais. Grâce à ça. Et typiquement, pareil, sur le. Parce que sur le WordPress, alors, la plupart des gens qui ont un bloqueur de puce se font. Voilà, moi il est bloqué. Là, c'est en. Alors, je peux pas le zoomer ce truc-là, mais c'est en orange ici. Parce que si je vais dans l'analyse et que je rafraîchis, j'ai le script de Matomo. Donc Matomo, c'est mon logiciel pour analyser le trafic des visiteurs sur mon site web. C'est un élément qui se charge à côté. Et donc ça, c'est un filtre par défaut, voilà, qui bloque le chargement du. D'un point de vue strictement pratique, c'est considéré comme du tracking. Donc du coup, c'est pour ça que c'est bloqué dans uBlock Origin. Mais quand c'est pas bloqué, ce truc-là, bah, par défaut, quand vous voulez enregistrer une visite dans Matomo, c'est comment? C'est du synchrone, c'est-à-dire que le navigateur fait l'appel. Tant qu'il n'a pas reçu la réponse, bah, l'appel il mouline. Et donc dans le navigateur, vous voyez un truc comme quoi la page n'a pas fini de charger. J'ai voulu. Et ça, moi, ça m'arrivait tout le temps parce que le disque dur était au bord de la mort, et donc la base de données, elle, derrière, elle moulinait comme pas permis pour juste faire un enregistrement à la con. Et donc ce que j'ai fait, c'est que sur Matomo, j'ai aussi utilisé un plugin qui s'appelle Queue Tracking, où je dis bah les visites, tu me les mets dans une file dans Redis, tu me les mets en mémoire dans Redis. Et tu les traites en arrière-plan après. Comme de toute façon, j'ai pas un besoin de visibilité à la seconde de chaque visite qui rentre sur le serveur. Ça peut être traité de manière un petit peu asynchrone. On parle de pas beaucoup, hein, mais on parle du coup de décorréler le fait de renseigner la visite dans la base de données, enfin du fait d'enregistrer la visite. En tout cas, de dire au visiteur c'est bon, j'ai enregistré ta visite, au fait de l'enregistrer réellement dans la base. Qu'elle fasse partie après derrière des statistiques communes. Donc l'idée, c'est de se mettre un intermédiaire entre les deux qui dit ok, bah, je vais enregistrer la visite dans un truc en mémoire, et dès que j'ai 2 secondes, je vais me le faire dans la base de données, mais toi, ce sera plus bloqué et ça te rendra la main tout de suite. Et donc voilà. Comment?
C'est... Je vais y arriver. Ah, pardon. Donc c'est typiquement le genre de choses que les grosses plateformes utilisent. Donc l'idée c'est on arrête de calculer des choses pour réduire pour réduire les charges. Et il y a plein d'éléments comme ça qui existent. Il y a quelques mois. Bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Et donc voilà, ça permettra de revenir sur des éléments comme ça. Je sais pas encore. Parce qu'il faut quand même. Si je déploie un outil qui utilise du Ready, il faut que ce soit quand même un outil qui soit capable de l'utiliser de manière assez. On va pas dire native, mais pas loin. Parce que j'ai quand même aussi. Pour le déploiement de la plateforme, j'ai quand même envie d'avoir le minimum de boulot. Mais vraiment le minimum vital. Ou alors, même si je le fais sauter à chaque fois, il y a des éléments qu'on va conserver, comme le contenu de la base de données, il y aura certainement un peu de fichiers derrière. Donc il y aura du volume sur le NAS. Ça va gratter à mort derrière moi, je pense. Même je suis capable de l'entendre à travers le casque, hein, alors que j'ai le retour de la musique et tout. Quand il se met en route, c'est terrible. Ce disque dur est vraiment une tannée là pour ça. Si vous avez des infos sur des modèles de disques durs 12 Tera qui font vraiment pas de bruit, je suis preneur. Je suis très preneur parce que là, même de la lecture, c'est incroyable le bruit qu'il fait. Donc voilà, quand on va se lancer dans cette série-là, ce sera quand même particulièrement intéressant. Ça va permettre de voir plein d'outils, ça va permettre de réfléchir un peu sur de l'architecture, ça va permettre de se mettre vraiment bien en termes d'outillage. Ça va me permettre de me reposer la question de la partie monitoring sur Kubernetes, hein, si on fait ça sur Kubernetes, donc puisque j'ai toujours rien réinstallé depuis que j'ai viré le Prometheus. Voilà. Et ouais, bah ça remarche, ça, ok. Bon. Voilà, sur ce, comme d'habitude. Le replay du live de ce soir. Demain, quand? Je sais pas, comme d'habitude, ça dépendra de YouTube. J'ai pris les surprises du genre la semaine dernière, j'ai voulu tenter l'upload directement après le live. C'est-à-dire que dès que j'ai récupéré la vidéo, je l'ai envoyée, etc. Je me suis retrouvé avec un truc où ça uploadait à 5 mégabits seconde, j'ai dit c'est plus la peine. Je laisse tomber, il m'annonçait 3 heures, je suis allé me coucher. J'ai éteint, je suis allé me coucher. Le lendemain matin, j'ai commencé à pousser. Il m'a dit, il y en a encore pour 3 heures parce que je reprends 5 mégabits seconde. Je suis parti étendre mon linge, je suis revenu. Il avait fini d'uploader le truc parce qu'il était passé à une vitesse folle dans la foulée. Il était déjà en train de faire les encodages pour toutes les résolutions. Voilà. Il a pas compris. Et du coup. Voilà, donc comment? Voilà, normalement, ce sera demain, mais à quelle heure, je sais jamais dire. Je communique toujours pas sur la publication des vidéos, donc si plus que jamais, je vais faire mon YouTubeur, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être notifié quand ça tombe, si jamais vous suivez pas en temps réel. Ou alors vous faites comme moi, vous mettez ça dans des flux RSS. Voilà. J'en ai 80. Ça fait juste pour YouTube, ça fait un peu beaucoup. Et puis la semaine prochaine, je sais pas. Vous voyez, pour le sujet de ce soir, j'étais pas encore complètement décidé. Le truc du chaos engineering s'est tombé là dans la semaine, donc vous voyez, ça m'a vraiment.
Je sais pas encore quoi faire la semaine prochaine. J'avoue, je. Ah, si ça se trouve, on commencera peut-être directement le premier morceau de notre sujet Chaos Engineering, qui sait-on jamais. Il y a quand même aussi d'autres trucs qui restent en suspens. J'ai toujours pas terminé la partie. Non, annule-moi ça, j'ai toujours pas fini cette partie-là parce que on avait commencé. J'arrivais pas à récupérer. J'arrivais à builder l'image, mais j'arrivais pas à récupérer le tag pour le modifier le manifeste pour la livraison. Ah, et je me suis jamais repenché dessus. En plus, là, en terminant la migration du NAS, j'ai pété le drone pendant une semaine. Parce qu'au final, j'ai pas fait gaffe, j'étais pas foutu de lire correctement, et j'avais pas mis le bon mot de passe sur le compte de la base de données. Il y a des trucs comme ça. Je mourrais mauvais, hein, c'est pas possible autrement. Puis sinon, bah, s'il y a un autre sujet qui tombe, si vous avez une idée un petit peu plus passionnant, que vous trouvez plus intéressant que mes propres trucs, vous voulez me lancer sur un sujet que je connais pas encore, mais qui serait susceptible de m'intéresser, pourquoi pas, hein? Ça peut être aussi pas communautaire entre guillemets, mais il peut y avoir plein de trucs. J'ai fait quoi tout doux stream setup? Oui, oh, bof, c'est pas forcément. Je suis encore en train de me débattre. Je suis aussi en train de bosser là sur des malgré toutes les instabilités que je peux avoir. Je suis en train de travailler sur des petites petites refontes un peu visuelles de. Pour le stream avec quelque chose d'un petit peu plus léché, un petit peu plus habillé, voilà, on va dire comme ça. Je réfléchis encore, je travaille, j'expérimente des conneries, c'est pas encore prêt, hein, pour l'instant, on va pas se mentir. C'est loin d'être prêt, je suis surtout dans la phase encore inspiration. Et après, bah, ma foi. Quand ce sera prêt, bah vous aurez l'occasion d'en profiter visuellement, en espérant que ça fonctionne un peu mieux que. Bon, ça fonctionne bien là déjà globalement, à part le fait que tout à l'heure, là, quand j'ai lancé une première fois OBS, j'avais la webcam à 2 FPS, il voulait pas m'afficher la musique en cours d'écoute. Je me suis dit, ok, on est à 5 minutes de lancer le truc, ça va être l'enfer encore. Et puis il a fallu, je l'ai relancé deux fois. Je l'ai fermé une première fois, je l'ai relancé, je refermais, relancé une deuxième fois. Et puis là, c'est reparti, et on n'a même pas eu de freeze. Comme la semaine dernière, c'est pareil, le truc était ultra instable avant. Et puis là, on a passé 2 heures pépouze. Voilà, sur ce, je vous souhaite bonne nuit. On va refaire ça. Enfin, bonne fin de soirée, bonne soirée tout court, parce que je sais que j'ai des francophones outre-Atlantique qui me regardent de temps en temps. Donc, passez une bonne fin de journée, une bonne soirée, un bon week-end pour ceux qui seront au week-end et qui se taperont pas des astreintes. Bon courage pour ceux qui seront en astreinte. En croisant les doigts pour que vous ne soyez pas trop emmerdés. Et on se retrouve au plus tard, vendredi prochain, pour le prochain stream. Allez, ciao ciao!